من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، الحمد لله. Nous continuons avec une leçon, un principe qui nous profite avec Ibn Taymiyyah rahimahullah concernant firqa, ya usul firq, et aussi usul tafsir et usul dans hadith. La zodi, cause concernant ijtihad, Ibn Taymiyyah rahimahullah les dit: ومن علم منه الاجتهاد السائغ فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له. Celui qui nous connaît et qui nous fait اجتهاد qui est permissible, n'est pas permissible qu'il nous mentionne d'une façon qui nous blâme et nous considère comme un qui peut faire péché. Donc, la parole là, le cause concerne l'اجتهاد. Premièrement, l'اجتهاد. C'est quelque chose qui les permet et les prouve que l'islam est une religion vivante. Ijtihad veut dire un savant, je fais effort pour combattre la loi, surtout dans quelque chose qui me prend naissance dans un problème que les musulmans peuvent faire face dans l'époque. Qui savent qu'il existe dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors c'est basé sur l'ijtihad. Les ulamas le disent, ça, cette chose-là, il peut ressembler à ce qui existe dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et alors il prend ça la loi-là. Ça c'est le travail des ulamas. Et nous, les ulamas, l'oula qui ijtihad, cela peut être ouvert. Ijtihad, cela peut être ouvert, veut dire n'importe qui s'en a qui lit et n'a connaissance et n'est pas capable de faire ijtihad, il fait ijtihad. Comme on le connaît, il y en a beaucoup de musulmans. Vous êtes dans l'opinion, ijtihad, cela peut être enfermé. Et quand je dis la porte, ijtihad, enfermé, alors qu'ils veulent dire, ça quand même, ils affaires, taqlid. Ça fait un taqlid. Le besoin c'est suivre aveuglément un madhab. Le besoin c'est suivre aveuglément un madhab. Nous disons non. La porte du shihad, pas le fermé. La porte du shihad, il y a fait ses faux. Pour connaître quelle l'opinion qui est plus correcte dans sa mas'alala. Est-ce que ça est réservé juste avant le premier musulman ou même quelque chose qui lui continue, pour continuer. Évidemment, il peut continuer. Sans que, comme nous finissons bien manger là-dedans, ne pas parler à vendre d'opinion, non. Ne pas parler à vendre d'opinion qui existe dans l'époque, par le Sahaba. Ne pas parler à vendre d'opinion, mais nous pouvons toujours faire ijtihad dans cette opinion-là, quelle qui paraît plus correcte, quelle qui paraît plus en conformité avec le Coran et le Hadith. Alors, cette chose-là, c'est une chose qui peut continuer. Mais qui dit, il ne faudrait pas faire ijtihad, j'ai fait taqlid. Nous suivons le madhab avec le monde, ça c'est l'invitation de réciter le Coran et le Hadith quand l'opinion des savants peut contredire le Coran et le Hadith. Il y a même qui, ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Nous ne sommes pas capables de réciter la parole d'Allah, réciter la parole de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, juste à cause qu'il y a le madhab. Ça qui se sont mentionnés comme ça, ou bien les mentionner différemment. Alors, la porte d'ijtihad est ouverte. Et quand j'ai dit la porte d'ijtihad est ouverte, pas même dire n'importe qui jahil fait ijtihad. Et ça, c'est un plus grand malheur. C'est un plus grand malheur. Quand on dit, par exemple, et gain droit, plonger, les permis de plonger dans la mer, un dimon qui va connaître, il va plonger. Ou bien des gens qui n'ont pas aucun équipement. C'est à cause de la permission de plonger, ils plongent dans la mer, ils rentrent dans le plus fond qui est capable. Non. Qui veut dire la permission de plonger dans la mer? Celui qui connaît nager, celui qui connaît plonger, celui qui a son équipement. Il plonge, il est permissible. Alors, comme vous avez un shihad, tout le monde fait un shihad, tout le monde fait un shihad, tout le monde connaît le sens, même il n'a pas.
li n'a pas fini à prendre ni par le savant reconnaître lui, ni le monde islamique reconnaît, ni par quoi lui, il fait jihad. Effectivement, non. Au pays, il y a un équipement, il y a une connaissance qui vise à concerner le Coran, concerner le hadith, concerner le tafsir, concerner le sol fiqh, sol le hadith, tout ça, il y a une connaissance qui va nous faire une médiévale, pas bien beaucoup. Connaissance, la langue arabe, même notre jahil. Connaissance, la langue arabe, même, il y a une paix dans sa connaissance qui vise à là. Alors, quand on dit un ijtihad, il est permissible. Il ne faudrait pas s'éteindre, on va dire correct, ijtihad permissible, on va faire ijtihad. Non, ijtihad est permissible pour celui qui est là, vous voyez, dans sa calibre là, sa haine. Et deuxièmement, il ne faudrait pas qu'on nous dise ijtihad, il est permissible, et je veux dire, qui se doit nous appeler, je guette nous, je taxe nous comme ça, on va dire, il n'a pas invité tout le monde pour faire ijtihad. Non, ça ne veut pas dire tout le monde fait ijtihad. Ça ne veut pas dire. Tout le monde fait ça. Non, celui qui compte plonger, il plonge. Celui qui a l'équipement plongé, il plonge. Vous savez, celui qui est dans sa niveau-là, il est dans sa bonne connaissance là, pour faire le jihad, il fait le jihad. Ben, ulama, il a dans le passé, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal, c'est le ulama. Vous avez fait le jihad dans nos époques. Est-ce qu'il a dans nos époques payé dans l'ulama? Celui qui a dans nos époques payé dans l'ulama. En deux mots, les moubizades, quoi déjà? Les moubizades, déjà, l'islam, c'est un dîme qui est faux dans une certaine époque, dans une époque, il n'est pas capable de produire sa mort. Non. Nous nous disons, dîme Allah pour rester vivant jusqu'à Qiyama, dîme Allah pour toujours être un bon savant. Pour toujours être un bon savant. Livré. Dans le passé, dans l'époque de Salaf, il y a beaucoup de savants. Dans l'époque de Pénal, Pénal, ça continue là. Au contraire, il y a un Tchigui. Est-ce qu'il y a un Pénal, il y a un Tchigui? Il y a un savant? Non. Non, encore, il y a un savant. Et pour toujours, il y a un savant. C'est, comment dire? Comment on l'a dit? C'est Al-Qa'im bi-Hujjatillah. C'est Coran, il m'a causé. Hadith, il n'a pas causé. Mais par un ulama, je peux causer ce qu'il y a dans le Coran et le Hadith pour montrer, et c'est n'importe qui ça là qui peut dévier, qui peut causer un nonsense. Par un ulama, je peux voir, c'est réfute Saban Timon. Donc, le shihad est permissible. Oui, il est permissible. Mais pas tout le monde fait le shihad. Pas tout le monde fait le shihad. Ça aide. Déjà, quand nous tenions, Rahmanullah, peut dire, par un ulama, il y a le shihad, ça aide. Celui qui nous connaît, il fait ijtihad qui permissible. Il y a certains chapitres qui nous fait ijtihad. Il permissible de faire ijtihad. Il y a certains chapitres qui n'ont pas le droit de faire ijtihad. Il y a certains chapitres qui n'ont pas le droit de faire ijtihad. Dans le fiqh, faire ijtihad. Est-ce qu'il y a l'opinion là qu'il faut? Ou est-ce qu'il y a l'opinion là qu'il faut? Par exemple, quand je vais faire salat, il y a l'imam. Imam dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce qu'il dit qu'il fait un premier salam? Nous faisons un premier salam pour aller à lui, nous suivons lui. Et quand il fait un deuxième salam, nous suivons lui. Ou bien, nous attendons qu'il fait tous les deux salams, là, nous suivons lui. C'est une mas'ala de divergence. C'est une mas'ala de divergence dans qui est dedans? Dans le fiqh. Alors, un chapitre pareil, ijtihad est permissible. Ijtihad est permissible. À ce terme d'un chapitre, pas qu'il y a une divergence pour les sahaba, jamais il y a une divergence pour les salaf, concernant le nom d'Allah, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alameen, il est au trône, il est élevé au trône. Est-ce que ça m'a dit qu'il y a un droit de faire jihad? Non, pas qu'il y a un droit de faire jihad. Ça m'a dit qu'il soit fait jihad. Parce qu'il n'y a pas qu'à venir déclarer, nous et la iman. Nous faisons l'ijtihad, nous gagnons l'iman qui va nous savoir pas dans sa iman. Mais nous savons pas dans sa iman. Non, ça, dans sa chapitre, nous y suivons. Et ce qui nous poursuit, ce qui va nous savoir, ce qui va nous savoir, ce qui va nous savoir, définitivement, c'est ça qui est la vérité. Et quand nous bouquons un livre qui va nous savoir, écrire, l'eau, l'aqida. Par exemple, l'ajouri, l'écrit l'aqida, puis ce livre. L'ajouri, ce livre, l'aqida. الشريعة لقليله لعقيدة الشريعة لنقوى إزام اللالكائي لقياشر عقيدة أهل السنة لنا
سي با با اكزامبا على جوري على لا لا كاي نيدا امام احمد سوغارشون قالوا السنه كانوا بالجيت سبان ليفلا دون تو سبان ليفلا دي مانشون نو بان علماء دو لي باسي انجيا سا نو بان علماء دو لي باسي نيزا في البروغرام عقيده دي امام الترمذي عقيده دي امام الترمذي كي امام الترمذي جيا Nouban savant tiloula, nouban savant fin toujours loula. Alors, ça c'est dans le chapitre, c'est Akida. Nous n'avons simplement pour suivre ce qui est nouban savant tiloula, ce qui est ulama tiloula, ce qui est salaf tiloula, parce qu'il n'est pas capable de déclarer plus à se dire, c'est nous qui pouvons plus comprendre l'islam, c'est nous qui pouvons plus bien pratiquer l'islam qui s'abandonne. Alors, le troisième qui nous aime, il y a pour l'intérêt sortir. Celui qui nous connaît, il fait ijtihad permissible. Alors, ça nous comprend. Et là, c'est un chapitre qu'il n'a pas permissible pour faire. Il n'a pas permissible pour ijtihad. Ou il a simplement poursuivre. Ou il a simplement poursuivre. Qu'il soit là les clés de Coran, qu'il soit là les clés de Hadith, tout le monde qui aura qui ijtihad va faire. Qui ijtihad va faire. Ou il a simplement poursuivre. Ok. Alors celui qui l'infait ijtihad qui permissible, فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم. Ni nous gagne droit blâmer, ni nous gagne droit considérer comme un démon qui fait un péché. Et même si le trou il fait errer. Qui fait? Parce que est-ce que celui qui fait ijtihad, qui veut dire ijtihad? Ijtihad dans la langue, mais déjà il fait, c'est pas le lousse. Il fait ça, c'est beau. Il fait ça pour vous connaître sa masse à la là. Quelle est l'opinion qui correct? Un alim, l'inverse de ses faux, pour coller dans sa masse à la là, quelle est l'opinion qui correct? Quand il y a un alim ou pas un alim? Un alim. L'inverse de faux ou l'inverse de faux? L'inverse de faux. Est-ce qu'à cause qu'il y a un alim et l'inverse de faux, obligatoirement, il dit ça qu'il y a bien? Non, il n'est pas possible. Il n'est pas possible que chaque alim, à cause qu'il y a un alim et l'inverse de jihad, l'inverse de faux, il est obligatoirement faire bien, non. Tout le monde nous a fait rire, obligatoirement faire rire. Alors, quand on trouve un alim qui fait rire, c'est qui je fais le programme, je fais maintenir le chemin du Mme Ulama, alors il est clair qu'il n'a pas gagné droit, ouais. On va dire baisse, ni on va dire valet, grade de Mme Ulama. Alban, il fait rire, une balle, il fait rire, ou Thiamine, il fait rire. Est-ce que je peux attendre ça, Mme Ulama, pour faire rire? Ça même, Imam Ahmad il fait rire, Imam Shafi il fait rire, Imam Malik il fait rire, comme ça même, Abu Bakr il fait rire, Omar il fait rire, Othman il fait rire, Ali radiallahu anhu il fait rire. Alors si nous pouvons dire, celui qui fait rire, comment est-ce qu'il était ça? Vraiment, qui s'en a qui vous tombe dans sa main, qui s'en a qui vous tombe dans ma passe, blâme man qui fait ijtihad, c'est un dernier jahil. C'est un dernier jahil, celui qui a un petit niveau de connaissance. Et vous connaissez qui? À cause qu'Abu Bakr lui fait rire, Omar lui fait rire, Othman lui fait rire, il n'est plus contre l'islam, il n'est plus contre l'islam, il n'est plus rêvé à Ali, lorsque c'est l'islam. Je dis, non, c'est pas l'ulama, je pourrais, j'ai toujours cette compréhension de l'islam. Mais hier, une salle fait rire, et ça c'est pas le test qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. Allah Rabbu l'Alamin, il prépare sur l'islam dans sa façon là, qui fait. Pas qu'il réponse à la question, qui fait, il prépare l'islam d'une façon que. Vous voyez, ben Jahil, tout ça, qui est le Coran, il y a là. Je voulais un islam noir sur un blanc, pour qu'une chose mentionnée, comme ça. Allah n'a pas décrété comme ça. Allah Rabbu l'Alamin n'a pas décrété comme ça. Il prépare l'islam d'une façon qui est dans 73 groupes, qui est 72 bidatim et déjà ce même kilo, qui ont la vérité. Il prépare l'islam dans sa façon là, comme un test qui s'en a qui est sincère, qui s'en a qui n'a pas, qui s'en a qui n'a pas sincère. Alors, quand un alim, il y a un alim, il fait ijtihad, pas nécessaire, il fait bien. Quand il fait rire, est-ce qu'il nous dit qu'il fait péché? Non. Il fait c'est faux. Si nous disons qu'il fait péché, on ne peut pas le dire à Ali, il arrive à faire jihad. Reste comme ça. Mais non. Ali, il dit au contraire, nous disons encourage, mais Ali encourage chacun un à l'autre.
فيها اجتهاد، فيها اجتهاد، شنو جاي يحكم فيها اجتهاد وفيها غير كتاب بيسال، كيف بوجه؟ انت واحد فيها اجتهاد، انت واحد فيها اجتهاد، اذا لم تفصلوا شنو جاي؟ شنو جاي؟ انا عالم فيها اجتهاد، علم فيها غير، ايه الو؟ لان بنا عليا، في نعمه جاهل كيف بنا عليا الو؟ كان عالم فيها غير، لان بنا عليا بكشا كيف بنا عليا؟ نو، عالم بغيس عالم فيها اجتهاد فيها بيان فيها بيان فيها غير كما كان يسي وبيان دوتاس بالعلا ماجية سيريكي لين فيها سيسا اللي كان يتوب عن عالم سيريكي عن غو لين فيها بيان اي ان دي تشي غير بعد ان دي غير اوبليغاتوا اللي بزا فيها غير قالوا لين يان عالم سيريكي لين فيها غير 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 ابن دي كوتي ان دي زافي اللي فيها بيان سابع بلا عالم لكم سنكروا مرشيخ من بعض لين فيها بيان 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 C'est un fatwa qui ne fait pas obligatoirement les musulmans comme ça, il est. Cheikh Al-Bani, rahimahullah, il fait bien, 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 les minimums. C'est un fatwa qui fait rire. Cheikh Uthamin, il fait bien les minimums. C'est un fatwa qui n'a rien rire. Tout a l'époque comme ça, sans exception, depuis l'époque Sahaba jusqu'à dans l'époque. Depuis l'époque Sahaba jusqu'à dans l'époque. L'époque comme ça, et nous n'avons pas gagné un droit blanc, ben alim. Lui n'a pas le droit à considérer maintenant comme un qui peut faire péché. Le place peut-être, rahimahullah, il y a, on s'en a mis ici à même. « Wa la yakhlu rajul imma yakuna mujtahidan musiban ou mukhti'a ou mudniban » Un djimon, soit qu'il y a un mujtahid qui fait bien, ou bien un mujtahid qui fait rire, ou bien un djimon qui fait péché. Le fal awal, makjour, mashkour, premier là, celui qui fait ijtihad et il gagne bien, alors il a la récompense pour lui et les mérites qui nous remercient. Déjà là, ensemble avec son récompense pour ce ijtihad, il est excusé et il a pardonné. Le prophète est fini de dire, celui qui fait ijtihad, il fait errer. Celui qui fait ijtihad, il fait bien, il gagne des double récompense. Celui qui fait ijtihad, il fait errer, il gagne. Une récompense, il y a une récompense pour son ijtihad qu'il fait. Et il dit, « Et Allah yaghfir lana wa lahu wa lisa'il mu'minin » Troisième là, c'est lui qui veut faire péché, qui Allah pardonne nous, il pardonne lui, et il pardonne tout par le musulman. Le passé, il dit, « Rahman Allah » veut dire, « Nous pas qu'à critiquer du monde. » Nous pas qu'à un droit, quoi dire critiquer du monde. Comme il dit, « Un alim. » L'in fait ijtihad, et l'in fait bien. Quand vous avez le droit de critiquer, vous pouvez critiquer, nous allons bien essayer. Les faits de Sihad, et les faits de un bon jugement, un bon verdict. Dans sa masse, est-ce que vous avez critiqué là? Ne pas avoir critiqué. Un autre un alim, les faits de faux, les faits de faux, c'est ma vie à rire. Nous n'avons pas critiqué, nous n'avons pas critiqué. Les faits de faux, nous connaissons comme ça, c'est ça. Et Hadith Ndjiya, il n'a pas de l'issue, c'est erré. Allah me pardonne sur les rires, parce qu'Allah me pardonne sur les rires. Ensemble avec Allah me pardonne sur les rires, il y a une récompense à gagner. Mais qui critique lui? Qui lui veut mal parler? Lui veut gagner quoi? Critique lui mal parler. Cheikh Al-Bani fait rire de telle mas'ala. Cheikh Al-Mu'tamin fait rire de telle mas'ala. Cheikh Mimbaz fait rire de telle mas'ala. Imam Ahmed fait rire de telle mas'ala. Si pas, Imam Ash-Shafi fait rire de telle mas'ala. Nous n'avons pas critique seul. Nous n'avons pas critique seul. Nous pas gagner quoi critique seul. Jeter la récompense, ça n'est rien qu'ils ont fait, la récompense, mais la récompense. Mais l'espoir qu'ils ont la récompense qu'ils font, parce qu'ils ont fait un ijtihad. Ensuite, nous avons des troisièmes. Un qui vous m'a dit de faire péché, parce qu'il a le droit de faire ijtihad, c'est pas le faire ijtihad. Ou bien, un petit peu son nafs. L'un fait un peu en faveur de son nafs. Il peut faire, il fait péché. Qu'est-ce que nous avons bien dit? C'est lui qui peut faire péché. La première affaire que je peux dire, mais ça n'a qu'à critiquer. Premier, nous ne pas critiquer, il y a une fait ijtihad, il fait bien, nous ne pas critiquer. Déjà, nous ne pas critiquer, il fait ijtihad, il fait rire, il fait pardonner sur les rires, il y a une récompense pour ce ijtihad, il fait critiquer. Troisième, qui fait péché là, critiquer, pas critiquer. Et nous avons dit, il y a une attention, il ne peut pas le dire. Fallahu yaghfiru lana wa lahu wa lisa'il al-muslimin mu'minin, qui Allah pardonne nous. Pardonne-lui, pardonne tout musulman en deux mots, il me dit, mais qui ça dit qui va faire péché? En deux mots, il me dit, qui ça dit qui va faire péché là?
لين عالم وبيان يبون كان فين زاد الغطاء كل ده البيسي وجا نبي ذا كريتيك لي دان فاشون بو وجا لينا لين بوريان باسكي كالين فيا بيسي نو نو بيزا رياليزي كما لين فيا بيسي اسكي نو نو يشابي دي بيسي ولا با يشابي اسكي نو يشابي دي بيسي نو با يشابي دي بيسي alors comment nous trouver vers elle qu'est-ce que nous devons dire qui a la part de nous part de lui part de tout il dit nous musulmans, c'est comme ça qu'ils nous guettent. Quand ils nous viennent faire des faire péché, pas sauter au PC, pas sauter au PC, réaliser qu'ils nous y ouvrent, faire péché, et capable, nous nous pouvons faire un péché auprès d'Allah, les plus graves, qui s'appelle péché qu'il y fait, il le fait là. Et le tout c'est, qui a la part de nous, qui a la part de nous, part de lui, part de tous les musulmans, les capables de faire péché, ce qu'ils peuvent faire péché, mais j'ai bien la part de Allah pour lui, et là, bien. Et là, alors, ça c'est, on va dire avec qui rigole, ou qui est pour un frère, c'est un musulman. Un démon qui a fait un péché, qu'il y a un alim, ou bien il n'est pas un alim, n'importe qui ça là. Nous disons qu'il y a un rigole, qui, il fait un péché, mais moi aussi, je fais un péché. Il fait un péché, moi aussi, je fais un péché. Alors, pareil, quoi, tu peux montrer qu'il y a la part de moi, moi souhaite, pardon, Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui aussi. Donc, ça c'est concernant. C'est lui qui lui fait faire péché sans qu'il représente un danger pour sa combattre. Quant à Ban qui se devine, va dire, je suis avec Dine Allah subhanahu wa ta'ala, je peux casser à rang avec Dine Allah subhanahu wa ta'ala, alors ça va là définitivement. Et ne pas vous dire qu'elle n'a pas peur de Dieu, mais seulement nous obliger à vérifier à Dieu contre Dieu.